Comment c'est? Allez, tu descends, tu touches, tu te relèves et tu pousses. Toutes les 30 secondes, on change d'exercice. Donc tu prends ton temps, t'es avec tes bouteilles d'eau, tes petites boîtes de conserve. Tac. Tu presses doucement. Tu regardes droit devant toi. Tu contractes les petits abdos. Et là, on se met en planche. Tu peux garder les haltères à la main. Comme ça, au moins, ça soulage les poignets. Tu verras, t'as moins mal aux poignets. Tu restes comme ça pendant 30 secondes. Si ça, c'est trop dur, tu poses les genoux. Et dès que tu peux, tu reviens là. Rétroverse le bassin. Les abdos tremblent et tétanisent. C'est tout à fait normal. Il reste 5 secondes. Souffle bien. On remonte et on repart pour l'exercice. Tac. Et tu presses. Tu vois, il est sympa ce combo. Hein. Hop. On presse. Bras devant toi. Ça va donner chaud, hein. Tu vas voir. On va avoir chaud, chaud et chaud. On se remet en planche et là on va rajouter une petite option. Donc tu mets le pied à gauche, le pied à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Respire bien, tu souffles, tranquille. Parfait. Tu peux te remettre sur les genoux, il n'y a aucun problème. Tu fais vraiment selon tes capacités, le but c'est de ne pas te blesser. Allez, on reprend. Et tu pousses. Tu pousses. Respire bien. Ce combo, il donne chaud un peu. Genre. Tu regardes droit devant toi toujours. On serre bien les abdos. On repart pour une dernière planche, donc tu te poses et là, pour cette planche-là, tu vas faire ça. Tu vas ramener les genoux et tu les éloignes. Tu les ramènes un par un et tu éloignes. Tac. Parfait. Concentre-toi. Courage. Ça va bien se passer. Et là, on change, je change juste mes haltères et on part sur le deadlift. Donc, tac, tu contractes. Tu contractes. Parfait. Celui-là, c'est pour les fessiers. Et c'est pour les ischios. Et ça fait chauffer un peu aussi le dos. C'est bon, tu vois. Le dos, il est engagé. Et c'est normal. Respire bien. 3, 2, 1. Là, tu restes comme ça et tu montes les coudes. Prends ton temps. Il faut que l'exercice soit bien fait. Le dos, c'est un muscle qui est fort. Donc, c'est tout à fait normal que tu puisses prendre plus lourd. Et pareil pour le deadlift. Le dos droit. Tu te concentres. Et tu me montes ces coudes vers l'arrière. 3, 2, 1. Allez, deadlift, écarte un peu les jambes, tu coulisses et quand, hop, tu contactes le fessier. Hop. Parfait. Parfait. Impeccable. Oh, j'adore cet exercice. Je sens tous mes fessiers, je sens mes ischios. Et pour ceux qui m'ont demandé, c'est excellent de faire le sport sur les courbatures. D'accord? Ça va être soulagé. Au début, tu as l'impression que non, mais je t'assure que oui. Tu baisses ton dos, tu mets tes haltères comme ça et paf, tu les passes vers l'arrière. Le dos droit, les abdos contractés, aspire ton nombril et tu montes de la lenteur dans le mouvement. D'accord? Je veux vraiment de la lenteur. Parfait. Impeccable.
commencer. Allez, le deadlift là à nouveau. Tu descends et tu montes. Tu descends. Contracte fort le fessier. Très important. Les haltères, tu vois, elles glissent sur les tibias. Ça glisse vraiment. Parfait. Tu vois, sans impact, sans saut, ça change de ouf. On peut tout à fait faire du sport. 3, 2, 1, commencez. Allez, tu te mets comme ça. Et là, tu m'as demandé quels haltères ils devaient acheter. Commencez par des petites haltères. Et quand vous sentirez que ça ne suffit plus, vous achèterez des un peu plus lourdes. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. D'abord, j'ai acheté du 1 et du 2. Et quand ça suffisait plus, j'ai acheté du 3 et du 4. Et ainsi de suite. 3. Courage. 1. Commencez. Et là, on passe en plan d'alterné. Donc, hop, parfait. Tac. Impeccable. Voilà. Les haltères, tu peux les mettre là. Si tu préfères. T'es pas obligé de les mettre là. C'est vraiment comme tu préfères. Tu regardes droit devant toi. Tu serres les abdos et c'est impeccable. Là, tu te mets en planche, tu recules et tu montes. On descend, t'as vu, on se soulage un peu des haltères, on les a lâchés et tu montes. Une planche, un squat, comme ça. Tu bascules, tu marches au sol tout doucement, hop, et parfait. Prends ton temps, parce que c'est quand même assez cardio. 3, 2, 1, commencez. Si t'en peux plus des haltères, tu peux les lâcher, hein. Je t'autorise, ok? Et là, tu te dis, oh super, Kyria, tu es trop sympa. Tu m'autorises, mais oui, si c'est trop dur, et que pour pas abandonner, t'as besoin de te délester de tes poids, mais aucun problème, d'accord? Le tout, c'est d'essayer. 3, 2, une fois que tu as essayé, tu t'adaptes. Tu les poses en planche, hop, tac, on remonte. Un squat, tu poses les mains. Ah, j'adore, trop bien. Allez, je finis. Allez, hop. On reprend les haltères et pointe alternée. Les pointes, t'es pas obligé de descendre aussi bas que moi. D'accord? Moi, j'ai un niveau qui est différent du tien. Et en vrai, c'est ok. D'accord? C'est vraiment ok, je t'assure. D'accord? Parfait. Si tu peux descendre par exemple jusque là, mais ça me va. Petit à petit, on grimpe des centimètres. Tu poses la terre, tu te mets au sol, hop, et paf, on recule. Contracte-moi le fessier à la remontée. C'est important de faire, comme on dit, les contractions volontaires. Tu vois, paf, on descend, et on remonte. Et bien voilà, regarde, le premier tour est terminé. Donc là, on va juste prendre un peu 6 secondes. Si tu as pris ta bouteille d'eau, je te laisse boire 2-3 gorgées de cette petite bouteille d'eau, ça te fera du bien. C'est une belle parole riche de sens. On va reprendre le cours. Donc, on repart pour 9 minutes. Vous avez vu, ça passe super vite, c'est l'avantage. En plus, je suis une vraie pipelette, donc c'est super. Je garde les haltères lourdes, 5 de chaque côté. Commencez. Tu poses, tu relèves à la force des talons et tu presses. Tu poses et tu presses. Parfait. Tu poses, hop, et on presse. Tu fais le nombre de répétitions sans les compter. Ce que je veux, c'est que tu me fasses amplitude complète. Tu descends, tu remontes bien
et paf, tu presses vers tout. Et ainsi de suite. 3. Un beau mouvement. 1. Commencez. On repart en planche, donc tu te mets comme ça et là on va faire ça. T'écartes à gauche, t'écartes à droite, tu reviens. Tac, 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 tac. Faut que j'arrête avec ce tac. J'ai l'impression que ça vous insupporte. Tac, j'ai pas envie d'arrêter en fait. Allez, on continue. Tu tapes le sol. Tap, 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 tap. Tu vas voir, tu vas y arriver, c'est canon. 3, 2, 1. Commencez. On rattrape les haltères. Tu touches. Tu presses. Tu touches. Tu presses. Parfait. Amplitude complète. Prends ton temps, serre les abdos. Regarde droit devant toi. Là, on renforce. Hein. C'est du renforcement pur et dur. Si le cardio y monte, j'y suis pour rien. C'est pas ma faute. 3, 2, 1. Commencez. Et on se remet au sol et on repart. Allez. Tap, 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 tap. Gauche, droite. Gauche, droite. Impeccable. Accroche-toi. Tu t'accroches encore. Parfait. Allez, accroche-toi. Hein. Il y a 10 secondes. Tu lâches pas. Tu me fais ça propre. Et bien. 3, 2, 1. Allez. On relâche. T'attrapes les haltères. Ouf. Tu poses. Tu presses. La séance, elle sera en replay sur YouTube comme d'habitude. Parfait. Impeccable. Génial. Là. Courage, ça commence à être dur, c'est tout à fait normal. On se remet en planche, tu te rappelles de l'exercice. Allez, gauche, droite, tu tapes. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu restes en genoux. Hein. Tu te mets sur les genoux. Si ça chauffe dans les épaules, tu pousses vers l'arrière et tu retournes. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Parfait. Commencez. Allez, on part sur le combo deadlift. Donc là, tu longes les tibias, tu pousses le fessier vers l'arrière et tac, tu contractes. On pousse, tac, tu contractes. Mets-moi de la lenteur dans ce mouvement. Je veux que tu sentes tout ton muscle se contracter, tout ton corps s'activer, tu vois. Contract. Allez, vas-y. 3, courage. 1. Commencez. Allez, le rowing, tu te rappelles, tu baisses un petit peu le dos droit et paf, vers l'arrière. Ça, c'est pour le dos. Mouvement propre, un mouvement lent, un mouvement contrôlé. Ok? C'est qui les fit girls? C'est nous. Et s'il y a des messieurs, c'est vous aussi. 3, 2, 1, commencez. Deadlift encore. Allez, on repart. Tu longes, t'exploses. Tu longes, t'exploses. En fait, il faut que tu sois vraiment lent quand tu descends et paf, t'exploses à la remontée. Je veux vraiment que tu serres les fesses. Hein. Comme si tu pouvais pas aller aux toilettes. Paf, t'es obligé de te retenir. T'as pas le choix. Donc tu contractes fort. C'est pas très élégant cette comparaison. J'en conviens. Allez, tu te baisses. Mais j'avais pas d'autre image en tête. Parfait. Pour ceux qui regardent le live et qui passent là, qui sont en train de être sur le canapé, dans le lit, va te changer. On t'attend pour le dernier circuit. Tu peux pas nous abandonner, c'est pas possible. Donc, ça. 2, 1. Il te reste 4 minutes pour aller te changer et venir faire le dernier circuit avec nous. Moi, je compte sur toi. Explose. Parfait. Dans cette séance, je le répète, c'est du pur renforcement musculaire. Si le cardio il monte, j'y suis pour rien. D'accord ?
parce que c'est vraiment du renfort. Allez, parfait. 3, 2, 1, commencez. Allez, on se met comme ça, hop, tac. Tac. Parfait. Mouvement lent et contrôlé. Pour le dos. À mi-chemin. Parfait. Le dos droit, toujours. Respire bien, c'est très important. Et après, on part en chante, alterné. 1, commencez. Allez, on y va. Fente à gauche, fente à droite, et on repart. Les haltères, tu peux les mettre là, meuf. Ok? Et si tu peux, si tu as deux haltères et que ça devient trop dur, lâche dans une. À mi-chemin. Tu fais ce que tu peux avec une haltère, et quand même avec une, ça devient trop dur, ben tu lâches la deuxième. Ok? Mais putain, t'abandonnes pas, hein. Moi, j'ai confiance en toi. Je suis sûre que ça va être canon. Allez, on se met au sol. On recule. Pour ceux qui peuvent, paf, un saut. Et tu descends. Ceux qui peuvent pas faire le saut, vous me faites juste un squat. Comme ça, tac, tu redescends. Okay. Chemin. Et ceux qui peuvent, parfait, t'exploses. Génial. Qu'est-ce que je vous aime. Je suis sûre que vous devez faire ça super bien. Ok, attrape les haltères et fente alternée. Il reste plus que 2 minutes et le circuit est fini. Inspire. Les haltères, tu peux les mettre là, tu te rappelles. Tu peux les épauler, ça s'appelle épauler. On n'est pas bien là. Commence à ressentir une sensation de bien-être, mais laisse tomber, quoi. 3, 2, 1, allez, tu poses tes haltères, tu détends les jambes, tac, je te remonte l'option squat, comme ça, et tu descends. Tu vois, tu me rajoutes les points de pied. Et ceux qui peuvent, un petit saut. À mi-chemin. Hop, hop là, parfait. Le son, il n'est vraiment pas obligatoire, hein, c'est optionnel. 2, 1, commencez. On rattrape les haltères pour les fentes alternées. Hop, une à gauche, une à droite. Gauche, droite. Parfait. À mi-chemin. Tu vas connaître le circuit par cœur après pour le troisième, hein, ça va être calme. Impeccable. Partez. Commencez. On pose les haltères. T'allonges les jambes. Tu recules. Paf. Un saut. C'est bon, on va changer. On va changer. Tu recules. Tu fais un coup de pied. Un coup de pied. Et paf. Tu descends. Encore. On remonte. Un coup de pied. Un coup de pied. Et tu redescends. Encore. Ok. Exercice terminé. Et laissez une petite pause de 30 secondes. Allez. Prête? Moi, je pense que vous êtes prête pour le dernier circuit. Une fois que c'est fini, c'est fini. Si tu as envie. Donc là, on va le faire avec les poids. Si tu sens que les poids, tu peux plus, tu prends qu'une haltère. Essaye. Et si tu vois que tu peux vraiment plus, tu lâches les haltères. Mais surtout, tu finis, meuf. D'accord? Ok, on finit tout en intégralité, faut jamais abandonner, tu trouves les options, ok? Allez, hop, je m'éblaye. Même pour moi c'est difficile, hein. Je vous cache pas, hein. On est tous dans le même bateau. Hein. Aidez. 3, 2, 1, on descend, t'attrapes, hop, t'épaules et tu presses. Si t'as des haltères plus légères aussi, tu prends plus léger. Et tu presses. Parfait. Impeccable. Allez, c'est les dernières 9 minutes. Les dernières. J'imagine que du coup, les 3 minutes de gainage que je vous avais proposé en début de séance, vous allez me dire, Kyria, t'es bien mignonne, mais c'est mort. Coquine, va. Commencez. Allez, on va se mettre en planche comme ça. Hop,
Tu te rappelles de notre exercice? Tac, 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 tac. Parfait, tu tapes le sol. Tape le sol. Impeccable. Si ça chauffe dans les épaules, tu te rappelles juste ça, ça détend. Tac, 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 tac. Parfait. Allez, courage. Tu t'accroches, t'accroches. Commencez. Relève. T'attrapes. On épaule et on presse. Parfait. Allez, courage. Moi, je peux pas lâcher les haltères, je suis obligée de montrer l'exemple. Tu vois. Mais j'ai envie. À mi-chemin. Mais je peux pas. Donc, je me force. Je montre l'exemple. Allez, courage. On le fait à 8000%. 3, 2, 1. Allez, on se met comme ça. Et c'est quoi, on va changer. On ramène les genoux, on recule. On ramène, on recule. Tu ramènes, tu recules. Allez, regarde. Parfait. Impeccable. On s'accroche. Cet exercice, il est génial pour affûter la taille. Tu vois, ça, c'est pour affûter la taille, pour tonifier aussi les épaules. On attrape. Allez, c'est la dernière fois qu'on fait le squat épaulé. Tu poses, tu presses. Gagne-moi ces abdos. Hein. Les abdos, tu les contractes. Je veux les voir durs comme du béton. Contracte bien. Si tu vas moins vite qu'au premier tour ou qu'au deuxième tour, c'est pas grave. On n'est pas sur des exercices de rapidité. 3, 2, c'est du renforcement. 1, commencez. Allez. Et là, on repart sur l'option du début. Gauche, droite. Gauche, droite. Accroche-toi. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Tu détends. On repart. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Putain, meuf. Je suis sûre que t'es trop sexy dans cette position. C'est sûr. Continue. Commencez. C'est parfait. T'attrapes tes haltères, on part sur le deadlift. Donc, tu baisses, t'exploses. Serre-moi ce fessier, meuf. Tu contractes. Tu crois que je te vois pas? N'oubliez la contraction. Je vois tout. J'entends tout. Je sais tout. Allez, contracte. Tac. Tac. Allez, le rowing, tu baisses le dos. Tu contractes bien. Paf, t'envoies. Une, comme ça. Doucement. Tac. Encore. Tu peux détendre les épaules quelques secondes hein, si ça chauffe. Le dos aussi. Tu peux le détendre quelques secondes. Et tu reprends. Je t'en voudrais pas. Parfait. Deadlift, t'écartes un peu les jambes. Tu coulisses sur tes tibias et t'exploses. Allez, cool. J'ai le ventre qui gargouille, je sais pas si tu l'entends. Ah, c'est extra. Est-ce qu'on se ferait pas un petit déj après? Est-ce qu'on a des petits œufs, un petit avocat? On se fait un petit déj après ça. Après ça, si t'as la dalle, tu ne bouffes pas du sucre. Hein. Tu bouffes du salé. Allez. Donc, tu peux te faire une petite omelette. Tu peux te faire des tomates cerises. Tu peux te faire des noix. Tu peux te faire de l'avocat. Du poisson. Du poulet. De la courgette. À mi-chemin. Des cracottes sans sucre. Avec du fromage à tartiner. Et des noix posées dessus. Et si tu veux terminer par une note sucrée, tu peux prendre la moitié d'une pomme. 3, 2, 1. Commencez. Et un carré de chocolat noir, 80%, toujours. Paf. Tac. Parfait. Encore. Contracte-moi le fessier, meuf. À mi-chemin. C'est la dernière fois qu'on fait le deadlift. Donc là, faut que t'envoies tout. Hein. Faut que le dos soit bien positionné. Il faut que la contraction, elle y soit. Courage. Ça t'étanise. Hein. Ça tremble, sa mère. Commencez. Tu plies le dos et on y va. Pac, vers l'arrière.
tac, vers l'arrière. Celui-là, une haltère, il est possible. Regarde, ça donne ça. Tac. Ça bosse, ça travaille différemment, mais c'est possible. À mi-chemin. Allez. Rétroverse le bassin toujours. On n'est pas le cul en pompe. Allez, vers l'arrière. Et là, on part sur des fentes inférieures. Gauche, c'est les trois dernières minutes. Hein. Droite. Les meufs, elles vont dormir après. Elles vont aller faire une sieste. Il n'y aura plus personne. Tac. Tu descends. Elle était dure cette séance, non? J'ai fait. On a levé la tête, non? On a upgradé, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Allez, courage, j'abandonne pas. Je t'ai dit, au pire, tu lâches tes poids. Fais sans haltères. Tu poses, tu détends les jambes, tu marches. Coup de pied. Coup de pied, squat, et tu déroules. On déroule. On monte. Coup de pied. Coup de pied. Squat, tu déroules. 3, 2, 1. On est tendu pour la dernière, hein. C'est pas grave. Allez, haltère, tac. Courage. Descends moins bas si t'en peux plus. Serre les abdos, regarde. Droite devant toi. Reprends ton petit souffle. Ça va le faire. C'est l'avant-dernière fois qu'on fait les fentes. Après, il ne restera plus qu'une. Et ce sera plié. 2, 1. Commencez. Tu poses des petites haltères. On déroule. Coup de pied. Coup de pied. Et tu descends. Petit bascule vers l'avant. Paris chemin. Coup de pied. Coup de pied. Et tu descends. Tu bouges. Parfait. Avec la 3, 2, 1. Commencez. Allez, on rattrape les haltères. Tiens, on gratte un peu sur le timer là. Allez, c'est la dernière fois qu'on fait les fentes. Courage. Il reste 15 secondes de fente. Donc les 15 secondes, on les tient. On serre les abdos. Tu regardes droit devant toi. Tu te sentiras tellement fière après. Pose tes haltères si tu as besoin. Commencez. Pose les miennes. Paf. Allez, on descend au sol. Tu pousses vers l'avant. Tu remontes. Coup de pied. Coup de pied. On redescend. Tu bascules. Après, on prend un café. Il faut au moins un café après tout ça. Tu pousses. Parfait. 3, 2, 1. Exercice terminé. Putain, mais bravo. Je suis en nage. Je trouve que cette séance, elle était canon. Je l'ai écrite ce matin. Mais ça, faudra que je le mette quand même dessus, je pense. Qu'elle était d'un niveau un peu chaud, non? Vous me direz. Vous savez quoi? Vous me direz. Si t'as fait la séance, tu me le mets en commentaire comment c'était. Si tu t'es arrêté à 20 minutes, c'est pas grave. Mets-toi cette séance en favori et le jour où tu la feras, t'essayeras de tenir 30. Eh bien écoute, pour ceux qui doivent partir, je vous souhaite une belle journée.